Bonjour, monsieur Mutumba. Désolée pour cette intrusion dans vos locaux de travail. Nous, ces flammes surprises, c'est vrai, ce n'est pas votre anniversaire. Mais c'est un jour très spécial pour la personne qui vous offre ce présent. Pour elle, vous êtes son pilier, son mentor, celui-là qui lui a tendu la main au tout début de sa carrière et qui ne cesse de le faire. En évidence, elle est celle qu'elle est aujourd'hui grâce à vous. Elle nous a fait part de son côté capricieux et turbulent sur les plateaux de tournage. Mais vous avez toujours utilisé les bons mots afin de la ramener à l'ordre. Elle vous remercie de lui avoir donné la possibilité de montrer son talent. Monsieur Mutumba, elle ajoute qu'aujourd'hui votre relation n'est plus seulement professionnelle. Et oui, elle est aujourd'hui, elle est celle d'un père et sa fille. Ce présent n'est rien comparé à la reconnaissance et l'amour qu'elle éprouve pour vous. Elle vous remercie infiniment. Elle est très fière de toutes les réalisations que vous faites aujourd'hui, car vous êtes un monument de la culture camerounaise à valoriser ici et ailleurs. Recevez ce présent de la part de votre fille, Nana Sandrine, alias Sopita. Ah. Monsieur Ebenezer, avez-vous un mot à dire? Écoutez, je suis très ému, très surpris en même temps. Écoutez, Nana Sandrine, ça fait longtemps que je ne l'ai même pas vue. Ça fait des mois que je ne l'ai pas vue, donc je suis grandement surpris. Et je lui dis merci. Donc le mot clé, c'est merci. Et en retour, je souhaite que sa carrière soit vraiment florissante et qu'elle puisse aller plus loin. Je constate aujourd'hui que la toute petite fille qui a travaillé avec moi comme comédienne est devenue une productrice. Et pour cela, je souhaite que sa carrière soit florissante et surtout que Dieu lui donne longue vie et que Dieu lui donne une très bonne santé. Merci, monsieur. Merci pour ce présent et surtout pour cette surprise qui est vraiment une surprise. Bonne dégustation sur la présence.